Salut à tous, c'est Indeday, on se retrouve de nouveau sur Phoenix Point. Donc comme en habitude, je vais remercier la personne, enfin les personnes du moins qui ont sponsorisé cette vidéo. Donc c'est grâce à eux que j'ai le jeu tout simplement. C'est grâce à la Warball Production. Donc c'est un groupe de vidéastes hein, qui font des vidéos forcément, mais qui sont aussi prêts à filer un coup de main aux gens. Donc je vous encourage à aller voir leur site internet pour savoir un petit, pour en savoir un peu plus sur eux. Et puis tout simplement aussi sur leur Discord, comme ça vous pouvez aussi jeter un coup d'œil, discuter avec eux. En gros pour faire simple, ils m'ont sponsorisé, c'est-à-dire qu'ils m'ont payé les jeux, donc il vaut déjà une quarantaine d'euros quand même, donc ils m'ont payé les jeux. Et en échange je parle un petit peu d'eux, et j'ai pas de remords à le faire tout simplement parce que en fait ils aident beaucoup les gens. Ils aident les petits youtubeurs comme les plus gros, comme les moyens. Donc ils peuvent aussi vous fournir un peu de matériel si besoin est, mais ça c'est vraiment si vous avez un partenariat avec eux. Moi par exemple j'ai un partenariat avec eux et ils me filent un jeu. C'est quand même vachement sympa. Donc je les remercie profondément pour ça, parce que c'est grâce à eux que je peux tourner sur ce jeu là sinon j'aurais pas pu. Donc un grand merci à eux, et puis je vous encourage fortement à aller voir leur site. Alors on va aller du coup, alors, on avait déjà vu dans la dernière vidéo que j'ai me resté 13 heures, 13 heures de guérison. On va attendre un petit peu, quelques heures. J'ai envie d'avoir une équipe full complète là, une équipe une équipe plus ou moins en bonne forme. Ah donc j'ai gagné un petit peu de ça. Et on a gagné un petit peu plus de... Ah, on a compris leur... D'accord, on a compris leur point faible. En gros, ils sont vulnérables aux... Ils sont vraiment vulnérables aux explosifs. Les corrupteurs, c'est drôle comme le nom sommaire. Ah oui, c'est vrai. Le corrupteur, c'était le mec, là. C'est des espèces de petits... comment on pourrait appeler ça? Des espèces de petits extraterrestres qui viennent se greffer, qui viennent se jeter sur la tête de... Ouais, qui viennent se greffer sur la tête de vos soldats, qui en prennent le contrôle. C'est vraiment abusé, quoi. Alors on va hop continuer à se reposer un petit peu. Par contre là franchement t'es longue à te reposer toi. Encore une heure, bon pour une heure on va le faire. Voilà, terminé. On va essayer de foncer un petit peu par là, on va aller voir. Hop, on va explorer. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un site d'exploration des agents intérieurs à bord d'un village abandonné. La plupart des bâtiments ont été incendiés, mais il y a une banque en plein milieu qui a été braquée à l'intérieur. Des vieux billets de banque ont été abandonnés par terre. Avant le Pandarius, ils auraient valu des millions. Ouais, on a exploré la banque. Donc là, qu'on s'est fait un peu de maths. Ouh, pas mal. Hein. Beaucoup de points ici, donc c'est cool. On va aller explorer ici. On va vraiment explorer tous les points pour regarder. Par contre, il y a un truc bizarre. Je vais aller voir à droite, là. C'est quoi la petite icône de... Un site de ressources. J'irai un petit peu plus tard. C'est quoi, ça, là-bas? Un site d'exploration. Nos agents ont atteint l'abri privé de Rodolphe Simès, où nous devrions être capables de récupérer d'informations supplémentaires qui pourraient nous aider à déchiffrer ces notes. Ok. Présence hostile dans les parages. Donc il y a des extraterrestres. Est-ce qu'on est prêts à affronter de suite ou pas? Je ne sais pas. On va aller voir là-bas. Pire des cas, on sait ce qu'il y a ici, donc c'est pas grave. On va explorer un petit peu. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, on a été pris en embuscade. Niveau de menace élevé. Ah, ça le fout un peu mal là par contre. Alors, donc mon sniper est là. Il peut déjà viser des gens? Sérieusement? De toute façon, je crois qu'on a déjà été détecté puisqu'il m'agresse. Donc, écoute, autant... Ouh, t'as pris cher quand même. T'as quand même pris cher. Alors, hop, tu vas enchaîner. Voilà. Le sniper a pas perdu. Il a tiré sur tout le monde. Il a pas cherché. Il a pas le temps. Il a pas le temps. Alors, tu vas venir ici, te déplacer quand même. Pour te protéger un minimum. Et ensuite, tu vas te faire plaisir sur, sur les gens. Donc vas-y, tac. Voilà, terminé, ça en fait un en moins. Le suivant là, le suivant, il est où le suivant? Mon sniper a des... Ah, c'était pas mon sniper qui avait... D'accord. Ah, j'ai déjà un, deux... ah, j'ai un deuxième sniper, ok, j'en ai deux. Ok. Bon bah ça me convient. Toi, carapace, bras... Ouais, bah écoute. Boum, terminé, 90 dégâts. Ok, ensuite tu vas enchaîner du coup par un petit tir comme ça. Et tu vas t'occuper de lui. Tu vas le défoncer. Alors je vais essayer de bouger un peu là. Ah, attention, tir allié. Ouh, tu as défoncé aussi. Ça fait plaisir. Dis donc, on est bon là. Là, franchement, on est bon. Ça fait grave plaisir. Alors toi, tu vas venir ici, te déplacer. Et je... Ah, t'as déjà détecté des ennemis. Où ça? Du coup. Là-bas et là-bas. Ok. Et lequel tu peux viser? Tu peux en viser un là-bas, ouais. Tu peux en viser un là-bas. Je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Tu vas venir, on va te mettre ici. Comme ça tu vas pouvoir être en mode vigilance. Toi qui es en hauteur, tu vas venir te mettre aussi pareil en vigilance, mais cette fois-ci plutôt de ce côté-là. Comme ça je pense. Comme ça, ça va plus que bien. Comme ça tu seras peut-être un peu plus précis.
Toi, tu peux rien faire de plus. Toi, c'est l'espèce de grosse brute épaisse là. La brute épaisse, on va la mettre ici, je pense. Voilà, donc pourquoi j'appelle la brute épaisse? Qu'elle a une énorme armure, elle fait super mal. Par contre, elle est très très peu précise et très peu mobile. Donc bon, ça la fout un petit peu mal, mais c'est comme ça. Il reste toi qui a 2 points? Ah, toi, c'est normal, toi, t'es en mode vigilance. Ok, donc fin de tour, on va voir ce que ça donne. Activité pandorienne. Ok, pour l'instant on les voit pas se déplacer là. Ah, j'ai bugué ou quoi? Ah non, ok, c'est juste un peu de temps, ok. Ah, donc là ils sont en mode brouillard. Ok, donc il a fait une espèce de... Ok, je vois. Ok, boum, tout à plaisir. Voilà, parfait, t'as endommagé son équipement. Bras lanceur. Alors ça va être réglé comme du papier à musique cette histoire. Là tu vas prendre ton... Voilà, et tu... Voilà, terminé. On n'en parle plus. Ça, comme on dit, c'est fait. Ensuite, tu vas te mettre ici en mode vigilance. Toi, est-ce que tu le vois de là? Tu ne le vois pas. Ok, du coup tu as quand même lancé une grenade. Je pense que tu as lancé une grenade genre là quand même. Vas-y, lance la grenade. Je pense qu'il est au milieu, donc voilà, il n'y a plus qu'à. J'espère qu'on l'a touché. On l'a pas touché? Sérieusement? Bon bah écoute, tu vas venir, tu vas rester planqué là où tu es. Toi, tu vas venir te planquer là, je pense. Ennemi détecté. Ok, donc tu l'as eu, c'est ça? Tu l'as. Ok, donc tu le vois. Mince, on a raté. Ouais, c'est un... Je vois pas trop ce que c'est. Tête, bras. Vas-y, bah écoute, essaye de tirer dessus. Hein. Fais ce que tu peux, fais le maximum de dégâts. Ah, il est reparti se planquer. Ok, donc il joue à cache-cache en fait. Il joue à cache-cache avec nous. Donc toi, tu vas venir ici. Tranquillou. Et tu vas nous mettre en mode bah, vigilance, tout simplement. Vigilance, ici. Comme ça, on sera vraiment en full secure, comme on dit. Toi, tu vas venir ici. Et tu vas te mettre en mode vigilance, pareil, ici. Voilà. Là, franchement, on est couvert de ouf de partout. Si les mecs surgissent d'ombre, il va se prendre une bastos. Comme jamais, c'est pris une bastos. Par contre, toi, j'ai envie de te mettre par là. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a des ennemis qui vont venir de par là. Je sais pas pourquoi, je le sens. Ça me paraît désert, ça me paraît grand quand même. Donc, hop, on va se mettre ici. Une petite vigilance. On sait jamais, je me méfie, hein, vraiment. Parce que là j'en ai vu qu'un, mais il y a peut-être des gens que j'ai pas encore détecté, il y a peut-être des extraterrestres que j'ai pas détecté pour le moment. Donc bon. Alors à chaque fois c'est son tour, c'est super lent à chaque fois. Ok. Allez, encore camouflé l'enfoiré. Ok. Alors. Tu te rates pas. Oh, t'as raté. Oh, je suis déçu. Franchement, tu m'as déçu, tu m'attendais à tellement mieux. Tu m'as habitué à tellement mieux quoi. Oh là aussi t'as foiré, bon, tant t'étais loin, t'étais mal placé, je ne t'en veux pas. Toi par contre tu vas prendre le sniper. Ok, terminé, voilà, on n'en parle plus. Au suivant maintenant, et les snipers franchement ça fait le taf, mais ça fait le taf. Vigilance peut-être par là, on va se mettre en mode genre gros full vigilance quoi. Voilà, comme ça, tu vois un truc qui va tirer dessus, même si t'es pas précis je m'en fous, c'est histoire de tout un coup de pression. Toi tu vas venir là du coup. Viens là. Tu vas t'arrêter là. Toi tu vas venir te planquer ici. Tant qu'on découvre un peu ce qui se passe. Vigilance par là. On va mettre vigilance partout. Hein. Comme ça au moins on sera fixé. Toi tu seras en mode vigilance. Pas ouf. Peut-être même. Eh, tu sais quoi, même par là, vigilance. Voilà, par là aussi. On verra bien. Et puis toi par contre du coup tu vas être mon éclaireur. Voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde. Écoute, on va te mettre ici. En gros, t'es quand même protégé. Genre là. Ok, vas-y. Fonce par-dessus. Tu vas, hop, contourner la buée. Voilà. Tu vas nous dire s'il y a du monde par là. Il y a l'air d'y avoir complètement personne. Hein. Bon, c'est pas grave. Au moins, on aura fait le tour. Ah, il y en avait bien un au milieu, je crois. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il y a bien quelqu'un là-bas. Il y a du monde partout. Hein. Il y a vraiment du monde de partout. Je sais pas du tout comment on va pouvoir faire. Ça me met un peu de pression quand même.
Est-ce qu'il y en a un là ou pas du coup, au final? Je me demande si j'ai pas vu quelqu'un là tout de suite. Hein. Écoute, c'est quoi? Juste par acquis de conscience, vigilance là-dedans. Donc si jamais ça se dissipe, au moins il y aura quelqu'un. Toi, tu vas te mettre en hauteur, le sniper. J'aimerais bien que tu te mettes en hauteur. Déplace-toi là. Tu pourras y voir plus clair et tirer sur qui tu veux derrière. Toi, tu vas te mettre ici, du coup. Et tu vas te mettre un petit peu de vigilance par là. Si besoin est. Sniper, tu vas revenir ici. Tu peux me monter. Non, tu peux pas monter plus haut que ça. Ah, tu peux monter là-dessus, peut-être. Ok, bon, bah déjà, tu vas venir là. Bah, tu te rapproches des autres. Je veux vraiment que tu te... Qu'on ait pas beaucoup de blessés, si possible. On était juste parti pour explorer une zone de base. Hein. Il y avait quelqu'un par où? Où est-ce qu'ils étaient déjà, les aliens? J'ai oublié. Je viens de le voir à l'instant, mais j'ai déjà oublié. Bon, bah écoute, on va mettre quelqu'un en mode surveillance ici. Toi, on va te mettre là, je pense. Tu te déplaces, tranquillou. Vigilance par là. Toi, tu vas venir... tu vas venir ici. Voilà, comme ça, tout le monde au même endroit, à part l'espèce de gros balourd de l'autre côté, mais ça, c'est pas grave. Je pense qu'il peut se débrouiller tout seul. Ah! Ok. Donc je savais que t'étais un peu... je savais que ça allait être compliqué de viser au-dessus de moi, mais c'est pas grave. C'est plus par acquis de conscience. Ah! Oh putain, par contre, ça a tout raté. C'est pas un souci, c'est pas un souci, c'est pas un souci. Toi, du coup, tu peux viser sur... Non, tu montes. Tu vas monter là, je pense. Ouais, vas-y, monte ici. Tranquillou. Là, je pense qu'il aura un point d'observation, mais monumental ici. Monstrueux, même. Et tu vas pouvoir prendre ton arme et tirer sur sur qui tu veux, en fait. Bon, t'as raté. Encore? T'as encore raté? C'est pas grave. Je ne t'en veux pas. Y a pas mort d'homme. Ensuite, toi... Enfin, pas encore. Pour le moment, encore. Parce que ça arrivera peut-être un jour, mais pour le moment, non. Poum! Voilà, terminé. Et tu vas enchaîner par un... Ah, il s'en va encore. Bon, c'est pas grave. Toi, du coup, tu vas quand même prendre ton arme et te mettre en mode vigilance par là. Moi, ce sera terminé. Ce sera fait. Lui, tu vas venir... alors, comment je peux faire? Si je me mets ici, je peux le toucher ou pas? Si je me mets là, je peux le toucher. Si je me mets là, je peux tirer. Ouais, on va te mettre même plus intelligent. On va te mettre ici, je pense. Non, même pas. C'est un peu con, mais au final. Si je te mets... On va te mettre ici, je pense. C'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, on va te mettre là. Et tu vas me faire le plaisir de le désinguer, le machin. Allez. Allez, je compte sur toi. Oui, pas mal. Ça fait mal, c'est plaisir. Oh, parfait. Il est en train de s'en aller aussi. On va s'arrêter là. Toi, tu vas venir te planquer ici. Et on va te mettre une petite vigilance aussi. Ennemi détecté, où ça? Ah, bah écoute, tire, fais-toi plaisir aussi. Voilà, on va, c'est fait. Ensuite, il nous reste qui? Ah, il nous reste cette espèce de gros balourd. Le gros balourd, finalement, il est très très loin. On va essayer de le ramener assez vite. Ok, hop. On a vu personne, on est d'accord qu'il y avait personne ici au final. On a attendu pendant plusieurs tours et il n'y avait rien. Donc tu vas te ramener au plus vite. Voilà. Et ça serait bien que tu puisses te déplacer encore un petit peu. Même si quelques cas, c'est pas grave. Fin de tour. Ah non, il y a encore un... J'ai encore un mec. Ok. J'ai encore un gars là. Si je te mets ici, tu vas rien pouvoir faire. Si je te mets là, tu peux, mais tu vas te faire défoncer. Écoute, j'ai envie de te poser. Là, tu peux tirer dessus. Je crois que c'est un... C'est un corps à corps ou c'est un distance, oui. C'est un distance, donc non. On va te mettre un endroit où tu crains plus ou moins pas grand chose, genre ici. Et ça va être très bien, on va te mettre par là. Voilà, vigilance, et ce sera plus que bien. Ok, moment de stress. Ah, donc il y avait un mec derrière nous. Il y avait un mec derrière nous. Ouais, mais il y avait déjà mon sniper qui était dessus. Ouais, il va se faire tirer dessus. Voilà, terminé. Qu'est-ce que tu vas faire, mon pote? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, les grenades, faut vraiment que j'essaie de les économiser parce que j'en ai pas, et faut, en fait ça m'oblige à les refaire en fait. J'en ai pas en illimité, c'est vraiment un nombre limité. Et du coup ça m'embête d'utiliser des ressources à chaque fois pour ça quoi. Ok. Alors le sniper, il peut viser sur qui maintenant? Si tu viens là, tu peux en voir. Ok, donc viens là.
Tu peux viser? Ça va être compliqué de là, mais... Ouais, ça m'étonnait, c'était vachement hard aussi de là. T'as un angle, en fin de compte, c'est presque bête ce que je viens de faire. Bon bah écoute, ce sera terminé pour toi. Dommage que pour moi, c'était mon principal atout, au final, pas tant que ça. Attends, tu vas venir ici. Voilà, terminé. Ça s'en fait au moins. Terminé, et tu vas revenir en mode... voilà. Ici, ça va être plus que bien. Ensuite, toi. Toi, tu vas venir... Ici, tu vas venir ici, tu vas juste... Ah, ça m'embête pour la grenade. Y'a pas quelqu'un qui peut venir lui faire la peau, là? Si tu viens là, tu vas pouvoir... Vas-y, tu vas venir ici, tu vas le défoncer. À bout portant, c'est pas grave. Voilà, terminé aussi. Bon, ça la fout un peu. On va se déplacer ici pour voir un peu plus clair. Et je sais... Il faut que j'évacue tous les agents. Ah, d'accord. Et j'évacue comment? Où est-ce qu'il faut que j'aille? C'est là les points d'évacuation? Ah, d'accord. Moi, j'étais parti pour les tuer en boucle, en fait. J'avais pas compris. Ok. Ce serait ici, c'est ça? Les points d'évacuation? Je vais faire aller ici juste pour voir du coup. C'est là? Bah je vois pas. Où est-ce que je peux évacuer? Y'a pas une zone? Pas une zone d'évacuation? Ah elle est là-bas la zone! D'accord! Ok d'accord, ok j'avais pas compris. D'accord très bien, moi j'étais parti pour tous ces trucidés en fait. Ok, ok d'accord, bon. Eh ben toi tu vas venir ici du coup. Ok, il faut les faire évacuer. Moi je pensais genre j'allais les tuer et puis c'était terminé quoi. Mais en fait pas du tout. Ok, je suis un peu déçu là, mince, si j'avais su, j'aurais dû le lire en haut à gauche. Bah non, je suis naze. Ok, bon bah c'est pas grave. C'est pas grave, tu vas venir ici. Ok, bah du coup j'ai pas le temps que j'ai perdu, c'est abusé. Bah vous venez là du coup. Ouais, terminé du coup. Ah, j'espère que ça va pas me coûter cher. J'espère que c'est une erreur qui va pas me coûter cher. Ouf, dans le dos, dans le dos, dans le dos. Ça fait très mal dans le dos. Ouais. Alors, toi, tu vas venir du coup... Ah, tu peux en toucher un? Ah, ça va être... Ah, t'es tombé en plus! Ah, d'accord! Tu es tombé en plus! Ok, donc on l'a tué, c'est déjà ça. Donc du coup, je peux casser des... D'accord, donc le décor se casse, ça j'avais compris, mais pas à ce point. Alors toi, tu vas venir ici, rapido. Dépêche-toi. Ah là, faut qu'on ramène tout le monde, j'avais pas prévu le coup. Ah, j'ai vraiment été trop naze là, par contre, pour le coup. Bon, c'est pas grave. Tu te déplaces vite fait, vitesse grand V. Toi, tu vas venir aussi ici. Heureusement, j'ai augmenté la vitesse hein, de mes troupes avant, sinon j'aurais pris un temps monstre. J'aurais pris un temps monstre. Et puis toi, tu vas venir à l'inverse aussi, ici. Voilà. Là, les mecs, ils vont taper des gros sprints de ouf. Voilà. Et puis, du coup, toi, par contre, tu vas essayer d'aider tes potes. Donc, en mode vigilance, voilà. Je sais que tu vas pas y arriver, mais c'est pas grave. C'est tout? Il va pas aller plus loin? Ah ouais, toi, t'es lent. Toi, t'es super lent, toi. T'es super, super lent. Il va falloir qu'on te couvre au maximum. Toi, tu vas aller ici. Ok, donc après, j'ai tué les ennemis. Peut-être que maintenant, j'ai tué tout le monde. Je suis tranquille. Et je peux, entre guillemets, revenir... Je sais pas si c'est mortel ou pas les... Je sais pas si ça fait des dégâts ou si c'est juste que je vois rien, je ne sais pas. J'ai pas envie de traverser cette brume. Du coup, on va l'essayer quand même juste de traverser pour voir. Non, donc ça ne fait pas de dégâts. C'est juste qu'en gros c'est un nuage de fumée quoi, c'est un écran de fumée. Ok. Maintenant que j'ai trucidé tout le monde, je me dis d'un côté, c'est peut-être ça quoi. Peut-être que ça me permet de pouvoir m'en aller rapidement. Toi tu vas venir ici. Par contre toi tu es très très lent. Bon ça me fait un peu chier mais c'est pas grave. T'es tellement lent mais bon. J'ai l'impression qu'on a tué tout le monde et du coup on peut baquer tranquille. Donc au final j'ai peut-être bien fait tuer tout le monde et après de revenir. Finalement c'était une stratégie. C'était prévu. Je vous le dis, c'était pas prévu du tout mais c'est pas grave. Alors on y est. Toi tu vas revenir aussi. Voilà tout le monde revient tranquille. On aura sauvé tout le monde, ils ont gagné de l'XP. Ça aurait été bénéfique pour tout le monde. Tu reviens aussi tranquillou. Hop là. Et c'est terminé. Fin de tour.
Voilà, tu reviens ici. Alors toi par contre, va vraiment falloir que j'augmente ta vitesse, hein. Mine de rien, parce que t'es vraiment trop lent. Et c'est un fin de tour encore une fois. Je rentre au peinard. Je rentre au peinard en prenant le temps. Et tu reviens là, voilà. Et normalement c'est terminé. Ouh, ça fait plaisir. Bah la zone d'évacuation elle est là. Il manque qui là? C'est encore pas là qu'il faut... Ah oui d'accord, ok, évacuer. 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 Ici aussi. Et... Ah! On peut pas revenir? Merde. Tu vas te soigner. Bah écoute, fin de tour, tu vas te soigner du coup, c'est pas grave. Ah si, tu peux évacuer quand même. Ok, donc mission terminée. On a été prendre embuscade mais on a survécu. C'est quand même génial. Alors nous revoilà. Du coup, ce que je vais quand même tenter de faire, pour être honnête avec vous, c'est que je vais quand même revenir me reposer. Ici, tac. Parce que j'ai l'impression qu'on a quand même pris vraiment cher. Donc hop, on se repose. Je pense qu'ils ont tous besoin de repos dans l'histoire. Mais tout le monde, hein. Je pense qu'ils ont tous pris cher. Ici, du coup, c'était une embuscade. Alors, rechercher. Qu'est-ce qu'on va faire des... Hop, on va faire toutes les recherches possibles. Moi, j'ai pas le temps. Voilà, un peu de repos, ça va faire du bien à tout le monde. Il reste elle qui est blessée. Voilà, terminé. On va ensuite aller explorer ici. Alors, des recherches. Un Goliath et un chargeur. Ah oui, donc c'est une espèce de grosse arme à feu, quoi. Forme cérébrale. Ah, on a découvert les cinédrons. C'est technologie neurale de la nouvelle Jericho dont on entend parler. Ça a l'air bien cool, mais personne ne s'est demandé si un autocrate porté par des illusions de grandeur risquerait pas d'en abuser. Non, c'est une société de loi de principe, il n'y aura pas d'abus, t'inquiète pas. Donc à titre de nouvelle Jericho, on verra, ouais, donc eux s'engueulent entre eux. Ah, par contre, les cinédrons sont pas trop fans. Plus s'éloigne de ce qu'est l'énergie coop et l'humanité, ce n'est pas une menace mais une simple constatation. Ok, donc en gros il y a vraiment une guerre entre tout le monde quoi. C'est un peu abusé. Tu vas explorer. Allez, trouve-moi un truc cool quand même. Il soupire à l'autre quand je viens, d'accord. On pourrait les aider. Je vais pas les aider de suite hein, parce que j'ai pas les... Oh, un casque d'Odin, on peut faire des armures aussi. Des véhicules, on peut faire un véhicule. Ah, il me manque plus de points. Il va vraiment falloir que je... On va devoir faire ça. Ça, c'est un meilleur sniper que celui que j'ai déjà, à temps personnel. Ah, ça, c'est mon sniper, par exemple. Ok, donc, équipement, et tu es... Ah, bah non, c'est celui que j'ai déjà. En gros, c'est pour filer un équipement à quelqu'un. Ok. Visée rapide, de tir suivant avec une arme maîtrisée coûte un point d'action de moins. On va prendre ça, du coup. Obtient là, je sais pas ce que c'est, les PDW, mais j'imagine que c'est utile. Et on va prendre ça aussi. Et un peu de vitesse, je pense. Ce sera très bien. Ensuite, Manticore, toi tu y es aussi, donc toi c'est Lazy Fox, donc c'est Alexander. Alors, hop, entraînement, c'est quoi? Tir de riposte, ah ouais par contre ça c'est bien. Effectivement, tir de riposte, un ennemi qui attaque un allié sur une portée, ouais ça c'est pas mal. Et tu vas nous prendre aussi Humphor, voilà. On va te mettre un petit peu de puissance aussi pour gagner un petit peu d'HP. Et toi, ah t'as pas de munitions, équipement. Chargeur pour Cyclope. Ah bah non, c'est un chargeur pour Cyclope, c'est bien. Attends, je comprends rien là. Vous n'avez pas effectué un inventaire pour fabriquer cet objet. Ah d'accord, ils ont des munitions limitées. D'accord. Ah oui. Ça la fout un peu mal en fait, on n'a pas encore fait la recherche. Ah oui, non bah non, du coup il va me falloir Ah bah là on a beaucoup de recherches à faire hein. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de recherches à faire. Et ça c'est quoi? Ah oui c'est un refuge nulle part. Ok. Il m'aime bien ou pas? Lui il m'aime bien. Ne jamais se rendre. Ça c'est encore un refuge donc c'est cool. Du coup parlons peu, parlons bien. Je vais quand même t'entraîner du coup. Entraînement. Guérisseur, bonus de guérison. Ouais pas mal. Ouais la vigilance c'est hyper important. Et toi par contre j'augmente à fond ta vitesse. Voilà parce que franchement t'étais lent mon pote, hein. Je vais pas être méchant mais t'étais super lent. Donc au moins ce sera bon pour nous. Alors tu vas aller ici, tu vas explorer. Tu vas explorer. C'est encore un autre refuge. D'accord. Et ici aussi j'imagine. On va faire un balayage de zone aussi.
Ok, donc on a eu beaucoup de ressources, c'est super. On a fait une recherche, ça a donné un... New Jericho was one... Ouais, en gros, ça c'est pour vous dire, en gros, je vais zapper. En gros, c'est pour vous dire que ça vient d'un... Que la Nouvelle Jéricho a été créée par un milliardaire qui avait des idées, entre guillemets, de pureté, etc. Mais on se demande si c'est pas une arnaque, cette histoire. Alors, on va mettre sur pause. Je vais quand même aller voir là-bas, du coup, maintenant que j'ai des soldats un petit peu plus vénères. On va commencer la mission. Et on va déployer les squads. Ok, c'est parti. Alors, nous revoilà partis. Ok, donc là, on a une map. Ouh, une grande map, là. Normalement, je crois que plus la map est grande, plus il y a d'ennemis. Donc, ça fait un peu peur, quand même. Il faut que je tienne le journal de Sim, d'accord. Alors, de Sims, plutôt. Alors, les armes ne me protègent pas. Donc, on va se mettre ici. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et est-ce que tu peux tirer sur quelqu'un? Non, je suis trop loin de tout, en fait. Je suis vraiment loin de tout. Même là, je vais rater la moitié de mes tirs. On va plutôt faire genre un truc comme ça, tu vois. Comme ça. Au moins, peut-être que j'aurai peut-être plus de précision. Les snipers, par contre, là, ouais, eux, ils peuvent se faire plaisir, mais de ouf. Hein. Donc là, je vois rien, donc ça me fait un peu... Ça m'embête un petit peu, mais... Tu pourrais le tuer direct? Ouh, tu l'as tué. Ah oui, d'accord, t'as même pas cherché, quoi. Ça a été... Officiellement, c'était foutu, quoi. Vas-y, tire. Ok, donc ça a cassé le truc. Bon, c'est pas grave. Toi, est-ce que tu peux tirer sur... Vas-y. Non, oh, mais j'arrive jamais avec lui. Il me saoule. Il rate tout. Il rate tout. Tout ce qu'il fait, le rate. Tout le temps. H24. Bon, c'est pas grave. On va essayer de rentrer dans le bâtiment. Mais où sont les... Où est-ce qu'il est, journal? Parce que je veux bien, mais... Il doit tenir journal, mais je sais pas où il est, moi. Je ne sais pas où il est. Déjà, on va te mettre ici. Ça va être compliqué. Elle a compliqué aussi. Bah écoute, on va te mettre en pareil, en vigilance. Voilà, comme ça, ça sera peut-être beaucoup mieux. Toi, comme d'habitude, t'as foiré. Toi, tu vas venir ici, je pense. Bah, viens là. Et tu vas tirer sur qui t'as envie, en fait. Lui, tu pourras le tuer. Lui aussi. Écoute, plutôt lui, du coup. Je pense que tu vas bien... Vas-y. Ok, terminé. On l'a descendu. On l'a one-shot, et faux machin, quoi. Alors toi, tu vas venir ici. Ici, tu peux... Ok, bah prends les balles plutôt pour l'autre. T'as plus de... Non, vas-y, on passe... Ouh, tu l'as tué? Oh, t'as géré. Eh, franchement, là, ça fait plaisir. Là, je me sens bien, là. Fin de tour. On les a défoncés, les pauvres, quoi. Ah, donc, il y a quelqu'un dans le bâtiment. Alors, méfiance, il y a quelqu'un dans le bâtiment... Si je t'emmène là par exemple, si je t'emmène là, je crois que c'est des fenêtres blindées, il me semble. Il va falloir que je rentre quand même. Écoute, je t'envoie ici parce qu'on sait jamais. Et je vais mettre donc toi par exemple, tu vas aller ici. Le journal, c'est ça? Attends, on va venir ici déjà. On sait qu'il y a quelqu'un là-dedans. Ah, du moins à l'entrée. Alors, on va faire un truc très simple. On va mettre hop une petite surveillance ici. Toi, tu vas venir... Donc toi, c'est le gros, là. Le gros, il va faire encore plus simple. Tu peux venir sur le bâtiment direct? Non, tu peux pas venir sur le bâtiment directement. Ok. Par contre, ce que tu peux faire, c'est rentrer quand même dedans. Au pire des cas, tu vas prendre des dégâts, tu vas tanker, je m'en fous. De toute façon, tu vas servir qu'à ça, parce que t'es nul. Donc au moins, c'est officiel, c'est dit. Maintenant, les choses sont dites. Est-ce que tu vas pouvoir... Et par là, parce qu'on sait jamais qui peut arriver. Normalement, il n'y a pas de raison, mais bon, on sait jamais. Toi, on va te mettre... quelque part par là, je pense. Ici, ouais, tu vas rentrer dans le bâtiment aussi. Toi, tu vas nous mettre ici. Et au passage, pareil, on va te mettre une vigilance. On va te mettre une vigilance près de la porte. Parce qu'on sait jamais si quelqu'un débarque par là. Au moins, pareil, vigilance. Voilà, ça sera pas grand chose de plus. Mais au moins, on y est. Toi, tu cours. Voilà. Tu cours ici, en ligne droite. Et je pense que là, on est plus que bien. Fin de tour. Normalement, lui, il y en a un qui va servir à rien dans le tas, mais bon. Alors, il arrive. Non, il n'arrive pas, finalement. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas s'il arrive, je sais pas trop ce qu'il fait. Je crois qu'il arrive, ouais, il arrive. Ok, là, il va se faire trucider. Même pas tant que ça. Ouh, fusil à pompe direct. Attends, toi, t'avais une vigilance quand même à un moment donné, hein. Non? Bon, il y a lui qui... Ouais, je m'en doutais un petit peu qu'il allait arriver par là, ça me paraît gros. Il y avait une entrée, pour moi, c'était logique. Oh, ça par contre, c'est vraiment pas de bol. Ok, c'est ton heure là.
Non, vas-y, mets-toi, mais crève, crève, voilà. Putain, t'es nul, t'es nul. Ah, je te jure, le mec, tout ce qu'il fait, il foire. C'est une bite. Mais comme j'en ai jamais vu. Ah, vous m'excuserez, mais là, je pète un plomb, là. Il est nul à chier, le mec. Mais nul. Ah, là. Ah, ça me frustre. Ah, je rage, mais d'une force. Ok, donc toi, terminé, t'es mort. Déjà ça. Est-ce que tu vas pouvoir te healer au passage? J'espère que oui, c'est bon. Voilà, je te soigne, on n'a pas de saignement. Je te jure, il était à bout portant, le mec, il foire, quoi. Ah, c'est... Ah, ça me frustre, mais d'une force. Ok. Alors, toi, c'est ton heure, par contre. Là, tu vas le désinguer. Désingue-le. Voilà. On va dire un fufu, mais bon, c'est pas grave. Les snipers, on va le mettre ici. Voilà, et tu vas être en mode vigilance. Ah bah, tu peux recharger. Vas-y, recharge ton arme. Et toi... Ah oui, donc ils rechargent pas leur arme entre chaque... Ah oui, c'est un peu abusé quand même. Genre, on prend pas le temps de recharger, quoi. Toi, tu seras en mode vigilance ici, quoi, je pense. Voilà, ça sera plus que bien. C'est comme ça, si jamais il arrive. Ah ouais, non, mais le seum, hein. Ah, franchement, le grave le seum, quoi. Oh, là. Il s'est pris des bastos. Il n'est pas vu venir, ce con. Ah, tu l'as paralysé, pourquoi faire? Interdevenu fufu. Ok, alors là, tu peux pas rater là. Là c'est mieux que tu rates, t'es vraiment que... Ouais, heureusement que tu... heureusement que tu peux pas rater là. Ça m'aurait fait de la peine pour toi quand même. Alors, toi, t'as pas d'armes. T'as pas d'armes, donc je te ferais bien rentrer quoi. Ouais. C'est allié, ouais, non mais non. Toi tu vas venir du coup peut-être à l'étage peut-être. J'imagine que s'il y a un document ou un truc important, j'imagine que c'est à l'intérieur. Toi tu vas venir ici quand même parce qu'on sait jamais. Toi tu vas venir là. Est-ce que tu peux récupérer un truc ou pas? Inventaire. Tu peux récupérer une arme. Donc prêt, tu vas utiliser. Tu peux récupérer une grenade. Et tu peux récupérer un medikit. Donc c'est bon à prendre ça. Plus que bon à prendre. Et encore même pas à faire mieux que ça parce qu'on a déjà une arme donc ça sert à rien. On va la mettre dans le sac à dos. Et la grenade ici. Voilà. Comme ça on y est. Tu peux tout utiliser quand même. Tu vas venir te planquer là. Et puis toi du coup, je sais pas où te foutre. Tu vas venir là. Et tu vas venir en mode de surveillance ici. Parce qu'on sait jamais. Si jamais ça recommence. Et puis toi, pareil, sniper, tu vas venir ici. Voilà, là franchement... Sinon, je vois pas où ça peut se trouver. Il y a peut-être une icône sur la map, je sais pas. Force Phoenix, ouais, donc je pense que ça peut pas être là. Ça peut pas être là non plus. Pour moi, ça peut être que dans le bâtiment. Je vois que ça. Où est le journal? Encore à l'étage, peut-être. À l'étage, j'ai rien, quoi. Tiens, journal de Simes, je veux bien, mais où son journal à Simes? Bon, toi, déjà, je vais te foutre en l'air. Tu vas venir ici. T'es un sniper, donc la hauteur, au contraire, t'aide plus qu'autre chose, donc c'est pas grave. Ah, peut-être ça? Attends, juste pour voir. C'est pas ce qu'il y a là, là? Ah, non, ah, c'est là, ok, c'est là, ok, très bien. On va faire un tour, du coup, on a pas besoin de faire plus. C'est le sniper qui va s'en occuper du coup. Attends, je l'avais vu tout de suite là. J'avais vu tout de suite. Là, voilà, ici. Super, on récupère. Voilà, objectif, tu le prends. Et donc là, on va avoir une vague extraterrestre qui va se ramener, c'est ça? C'est quoi le délire? Mission accomplie, bah parfait. Ok, bon bah ça fait plaisir. Ah bah elle a enfin gagné un level, tu m'étonnes, elle a enfin réussi à tuer quelqu'un à bout portant quoi. Donc bon. Alors on a réussi, nos agents ont récupéré une importante quantité de dossiers à l'abri Simes. Ils devraient pouvoir nous aider à mieux comprendre les activités de Simes ainsi que ses découvertes. Ouh non, pas mal de points de technologie, pas mal de matériaux, on a pas mal de points saisis par le péché. Expédition polaire, on a pas mal de sites ajoutés aussi. Donc c'est trois autres sites clés hein. As the world fell apart around us,
Tu ne pas sentir la culpabilité. Pourquoi tu combattes? Oui, en gros, c'est une autre façon de penser, pour faire court. Alors, on va aller ici, hop, se déplacer. Tu vas... Alors, info refuge. Et on peut recruter un soldat. Ah, j'ai pas... Si, j'ai des points. Et c'est qui, ce gars-là? Ah, je peux pas. Ah, j'ai passé... Oui, je peux pas. Ok, je crois que j'ai trop de... Très bien, j'ai compris. On va se mettre ici, déjà. Est-ce que notre personnel, ici, se soigne? Non, il se soigne pas. Bon, on va rentrer à la base. Tu peux maintenant... Eh oui, on peut maintenant échanger des ressources. Alors, diplomatie, c'est ça? Saboter un refus des cibles d'Anu. Ok, et aussi production alimentaire. Je voudrais bien... Ouais, je voudrais bosser avec eux, quand même. J'aime bien, moi, la nouvelle Jericho, ils me tentent bien. Ils ont d'être assez badass, en plus assez puissants. Donc, je me dis, d'un autre côté, je vais accepter leur mission. J'ai accepté leur mission, ça peut être vraiment bien. On va se reposer. Voilà, repos un petit peu pour tout le monde, ça va faire du bien. Faire du bien, je sais qu'il y a des soldats qui vont avoir beaucoup de mal. Voilà. L'équipe sera entièrement guérie. Et où est le point où je devais aller, là, au truc d'Anu, là? Déjà, j'ai quand même des... Alors, ils peuvent m'échanger ça, oui, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Je vais quand même descendre, ici, pour voir ce qui se passe. Ok. Information de délire onirique. La jauge vidéo indique l'intensité du délire onirique. Lorsqu'il attend son pourtant, il m'a dit de ne plus être sauvé. En gros, c'est ma deadline, quoi. Ok. Ok, donc ça deadline. En gros, si je... Ok, on va très bien. On va explorer. Aucune force sortie n'a été détectée. Ok. On a trouvé quelques points technologiques, ça fait plaisir. Saboter la... ouais, mais je veux bien, mais saboter, c'est ouf. Cible, production alimentaire. Ah, c'est ici, peut-être? Non, ça, c'est pas les... C'est pas les trucs de... Ça, c'est encore... C'est Sidérion, c'est encore quelqu'un d'autre. Viens là, du coup. Ouais, on va aller sur play. Tu vas venir ici, on va se déplacer. On va explorer aussi pour voir ce qui se passe. Ah, soldat d'Avalon, Emerys. John Smith était considéré comme quelqu'un d'aussi ordinaire que le nom qu'il portait. L'un des meilleurs soldats envoyés se battre et mourir pour des gouvernements qui ne les voyaient que comme des chiffres. Mais durant la guerre, il montrait un talent indéniable pour la stratégie. Ok. Dis que je crois que je suis un véritable magicien, dit-il là en s'adressant à nos agents. Je ne fais rien pour décourager cette rumeur. Nous nous trouvons dans un monde bien étrange, mes amis. J'ai besoin de toutes les ressources nécessaires. Je suis sûr que nous... sûr que vous vous souvenez de cette citation d'Arthur C. Clarke sur les technologies suffisamment avancées. Même si Merlin en personne est incapable de résoudre le problème. Ok, bon, on va accepter la mission. Bon, bah écoute, c'est quoi? C'est encore un refuge. Ok. On va aller ici, du coup. On va analyser tout ça. C'est quoi? C'est encore... ouais, c'est encore un... Pff, ça n'arrête pas. Hein. Ça n'arrête pas. Ok. Donc lui, aucune force sortie n'a été détectée. Ouais, bah pas mal. On récupère un peu de matériaux. On est quand même fabriqué. Il y a moyen que fasse un véhicule quand même. Ça pourrait m'aider de ouf. Ah! Et bah écoutez, du coup, je vais faire ce véhicule. Le scarabée qui va m'être, je pense, très utile. Et on découvrira, je pense, dans la prochaine vidéo, je pense. Hein, mais bon. Alors, c'est quoi ça? Ok, on va venir ici. Encore un autre refuge. Ok, donc ça, c'est encore les Cinérions. Je vais venir ici. Hop. On va pas s'embêter. Je vais explorer. Je me suis fait un balayage de zone. Je pense que ça va être plus qu'utile. Un site de ressources. Menace faible. On est en pleine nuit. Non, j'ai pas envie de m'embêter. On va aller voir ici, du coup, je pense. On va se déplacer. Je voudrais quand même trouver un autre refuge, etc. Vraiment essayer d'avoir le maximum de zones. Pour être bien. Ok, j'ai une mission à faire, mais j'arrive pas à trouver le point. Ok, donc des armes. Oh, un fusil à pompe, c'est ça. Je peux enfin faire un fusil à pompe. Ça va être cool, ça. Alors, je vais voir si je peux pas le fabriquer tout de suite, du coup. Équipement, medikit, non. Ça, c'est le fusil à pompe. Fusil à pompe, ouais, on va le fabriquer. Avec un chargeur. Du coup, alors déjà, oui. Toi, j'ai t'entraîné un petit peu, du coup, c'est quoi? C'est ça que des attaques de contact, j'ai un coup. Oui, oui, si tu veux. Arme lourde, ouais, tu vas le faire. Et un petit peu en vitesse à fond, même. Voilà, à fond. Tu seras peut-être plus utile si t'es moins lent. Peut-être, hein. Équipement. On va mettre un...
Medikit qui sera plus qu'utile, je pense. Et on avait un mec qui était bon fusil à pompe, c'est qui? C'était pas Alice Claire? Attends, on va regarder quand même. Entraînement. Ah, fusil d'assaut. Et le fusil à pompe, non. C'était qui? C'était peut-être toi du coup. Entraînement. Non plus. Bah c'était qui alors qui était bon fusil à pompe? On avait un mec qui était chaud en fusil à pompe, c'était qui? Sniper, pas toi. Pas toi. Bon bah écoute, tant pis, j'en ai fait un, autant le voilà l'utiliser quand même, ça me fera un peu chier. Voilà, m'embêtera un petit peu. Alors, toi du coup on va te mettre un fusil, non. On va te mettre le fusil à pompe quand même, ça m'embêterait. Hop, et le... Où est le pompe que j'ai fait? Merde, je vois plus. Et on va quand même t'équiper de ça au cas où. J'avais fait un fusil à pompe, on est d'accord? Attends, fabrication. Équipement. C'est le merci. Ah, ah bah non, d'accord, il fera ça après, d'accord. Ok, d'accord, il faut 22 heures pour le fabriquer, c'est pas instantané. Ok, autant pour moi. Bon bah déjà, en attendant, on va faire ça comme ça, tranquillou. Vous avez été prendre embuscade. Oh, survivez pendant 3 tours. Oh bah c'est bon, on s'en fout, ça va se faire. Après embuscade, on va s'arrêter là. Alors, nous revoilà du coup. Oh, il y a du monde, il y a du monde de partout. On va prendre le... Peut-être le sniper. Directement. Je pense que... Attends, peut-être... Attendez. Je sais ce que vous pensez. Il va encore se rater. Mais moi, je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il a moyen. Oh, il y a une chanson de 10 000 que ça marche. attendez. On va me faire mieux que ça. Toi, tu vas venir du coup ici. Voilà. Et du coup, tu vas libérer le champ libre à lui. Et lui va pouvoir tirer sur... Il y a plus de chance. Allez. Oui, il a eu. Oh, ça fait plaisir de voir qu'il avait enfin réussi. Ah, oh, ça me fait plaisir. Je le voyais vraiment comme une merde. Je vais pas vous mentir, pour moi c'était qu'une merde. Voilà, j'avais tellement de mépris pour lui. On peut viser la tête aussi. Ou pas? Ouais, tête. Oh, t'as raté. Ah, oh, tu me déçois. Ah vraiment, tu me déçois là. Bon bah écoute, voilà, hein, petite bastos quand même. Sinon c'est pas grave, lui va pouvoir le toucher. Ouh, la bastos, il l'a pas vu venir celle-là. Ok. Terminé. C'est fait. Où est la zone d'extraction? On le sait, hein. D'extradition, d'extraction, je sais pas comment dire, zone d'extraction je crois. Pour l'instant on n'a pas encore d'apparente, donc faut juste qu'on essaie de survivre déjà, je pense. On va se mettre en mode... Non, alors tu vas être en mode de... Voilà, si jamais ça vient de par là. On sait jamais. Voilà, terminé, oui. Il a déployé un bouclier, d'accord. Donc là, logiquement, si je te mets là, mon pote... Ici, tu peux pas tirer dessus. Ici, par contre, tu peux. Bah, viens là, du coup. Et tu vas lui tirer dessus, mais tout ce que tu peux, quoi. Genre, vraiment, tout ce que tu peux. Voilà. Écoute, on a pété la protection devant, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Ici, je peux l'avoir de là? Sérieusement? Je peux l'avoir de là. Ouais. Ça me paraît assez étonnant quand même. Il y avait un énorme truc devant. Il me dit qu'il peut l'avoir. J'ai un peu surestimé. Ok, toi par contre, je pense que tu peux. Ok, t'as raté. Mais ça, il y avait peu de chances que tu y arrives. Je te demandais pas d'y arriver. J'ai tenté par acquis de conscience. Mais vraiment, j'y croyais pas moi-même. Donc, t'inquiète pas là pour le coup. Je ne t'en veux pas. Par contre, toi. Allez, vas-y, fais ta plaisir. Ah, il tire de riposte, j'avais oublié tir de riposte. J'avais oublié tir de riposte. Ok. Et bah tu vas venir te planquer ici du coup. Toi par contre, toi tu peux venir lui shooter. Donc, viens là. C'est à ton tour de gérer. Oh. Bon, il y avait la pierre devant mais c'est pas grave. Et on va faire fin de tour. Ouf, il a pris cher. Oui, tire un petit tir quand même, histoire de... Il a mis son bouclier. Et retire.
Encore. Lui par contre, il faut pas toucher à ses potes, il est vénère. Fais un petit tir histoire de... Par contre, le sniper a quand même pris assez cher, donc ça m'embête. On va te mettre ici. Et puis tu vas shooter. Tu vas shooter quasiment à bout portant. T'as raté. Ah, tir de riposte. Et on prend tout cher, franchement. Là, on prend tout cher. Tu l'as eu. Tu l'as achevé. Ça te fera un petit peu d'XP, ce sera pas mal. On va te mettre... Alors, survivre pendant un tour, oui. Je veux bien survivre pendant un tour, mais ça va être compliqué si je me heal pas. On va soigner parce que je préfère en repayer un medikit que de perdre un soldat. En plus, je sais pas ce que ça fait que de perdre un soldat. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas. Donc, je sais pas si... Bah si, je sais, enfin à mon avis il va falloir en recruter encore un autre et tout, ça va être galère mais comme pas possible. Donc il y a un ennemi qui est là. Activité pandorienne. Oh, il y a du monde de partout là. Il y a du monde de partout, faut vraiment qu'on se barre. Où est la zone d'extradition du coup? Enfin d'extraction plutôt. Ouais, là-bas. Ok, on va essayer de se barrer le plus possible du coup avant qu'ils viennent nous choper. On va se tirer. On va essayer de fuir là je pense. Plutôt que tuer tout le monde, on va vraiment essayer de se barrer. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On est tous rapides donc normalement on devrait pas prendre trop de dégâts si on se barre. Tu vas venir ici, voilà. Lui déjà, il va se barrer avec ses réacteurs. Il va se tirer très très loin. Voilà. Ils sont tous de l'autre côté donc logiquement on va pouvoir se barrer avant qu'ils arrivent. Éviter de prendre des dégâts et puis gagner du temps aussi du coup. Gagner beaucoup de temps. Toi, tu vas venir aussi là-bas. Voilà. Et comme quoi ça sert d'avoir des troupes rapides là pour le coup. Hein. Franchement, ça sert. Et toi, tu vas venir là. Voilà. On se barre tous. On se barre en cours. Maintenant qu'on a survécu 3 tours, on n'a pas besoin de tuer tout le monde. J'ai peur quand même qu'ils nous surprennent. Hein, avec le temps. J'espère qu'on va vraiment pouvoir attendre avant qu'ils arrivent. Ok, donc toi, déjà, tu peux te barrer. Donc c'est bon. Là j'ai mon sniper de sauver. Ennemi détecté ou ça? Bon bah t'as essayé au moins, t'as tiré, c'est pas grave. Toi tu vas venir ici. Ouais viens là. Voilà, tu vas pouvoir te barrer aussi. Ah, ça fait plaisir d'avoir des troupes rapides quand même. Toi tu vas venir là. Voilà, les deux prochains tours, si on n'est pas tué on se barre. On se tire de cet enfer. Voilà. Maintenant qu'on a compris à peu près le concept quand même de ce que c'est. Voilà, on va pouvoir se barrer, c'est bon. Ouh, ça fait plaisir. On se barre d'ici. Fin de tour. Et là, on va tous se tailler. Juste pas qu'on prenne trop de dégâts avant. Ils sont tous en train de se rapprocher, mais ça va être beaucoup trop loin, là. Vigilance, boy. Bah écoute, fais ta vigilance, peinard. On va pas te tuer, nous, t'inquiète pas. Hein. On veut juste se barrer. Hein. Ils ont pris en embuscade, ces enfoirés. Par contre, les aliens sont vraiment bien faits. Je me dis que les devs ont... Ouais, bon, ils sont blessés, c'est pas grave. On me dit que les devs ont fait un boulot monstre quand même là-dessus. Allez, on se tire. On se tire. Non, pas stand-by, pardon. Évacuer, voilà. Pas faire d'erreur. Évacuer. Et voilà, c'est bon, ça passe. Et bah écoutez, je vous remercie. Nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de regarder la vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.